Salut les amis, ici Joeback67, on est samedi 22 je crois. Et où je voulais aller, l'herbe elle est pas mal haute. Alors donc normalement je suis ce chemin, enfin ce chemin pédestre mais sur les champs donc. Et juste avant j'ai passé à côté d'une petite forêt, j'ai fait juste un petit coup là, puis trop ferreux, puis j'ai trouvé une de ces balles vertes. Puis là, ça m'a sonné et je crois que je sais déjà ce que c'est, donc on regarde ensemble, mais je sais déjà ce que c'est, donc c'est, on dirait un de ces trucs de parapluie, donc ouais, c'est bien ça, je vais pas le gratter plus. Mais bon, je vais aller là et puis, je fais juste à la prochaine barrière parce qu'après elle est vache. Et sinon, je vais faire la forêt, je sais qu'il y a un petit chemin là, j'avais déjà fait une partie, mais on verra. Allez, à toutes les amis. Donc la dernière trouvaille là, et ici j'ai un autre dans ce trou qui est là-dedans. Et puis elle est ici, je suppose, une monnaie. Une petite monnaie. Oui, c'est bien ça. Et donc c'est une pièce de 10 centimes. La date 1996 quoi. Voilà, bon on continue direction là-bas. Allez, à toutes. Alors, voilà les amis, donc il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais comme je vous ai dit, donc j'ai commencé à 8h. Je voulais commencer à 7h, une demi-heure de retard juste pour arriver, puis après marcher jusqu'où je voulais faire. Et dans ce trou assez profond, ça me donnait un peu de genre bizarre, comme s'il y avait eu quelque chose avec du feu. Et ici on a quelque chose, mais c'est un fond d'une montre. Eh oui. Allez, je continue les amis, à plus. Donc les amis, entre la barrière et puis l'autre côté, il y a eu la 10 centimes et puis pas beaucoup de bruit, même pas dans la ferraille. Et ici par contre, il y en a beaucoup plus. Et là, je viens de trouver un truc insolite. Il n'y a pas qu'en forêt qu'on trouve des trucs insolites. Je pense que tout le monde a compris ce que c'est. C'est sûrement un de ces trucs pour un levier, quoi. Parce qu'il y a la petite branche avec. Et la rondelle. Elle est quand même déjà à 10 cm de profondeur. Hein, donc on va aller jusqu'à la barrière là. Puis après je passe pas parce qu'il y a les vaches normalement. Là-bas. Allez, à toutes les amis. Il fait un peu plus chaud maintenant. Je pense qu'il devait faire entre 8 et 9 degrés ce matin. Et là avec le soleil ça commence à venir un peu plus chaud. Pourvu que ça dure. Allez les amis, à toutes. Je vous fais vite un petit peu. Le panorama, la vue, allez, plus simple, c'est la vue. Allez, et cette forêt elle est là-bas, et un petit peu par là. Allez, je continue, allez. Les amis, après l'objet bizarre, dans un champ comme ça, et ici, là, donc j'ai levé la motte, et elle est juste là, et on va voir ce que c'est. Et c'est un jeton. C'est quoi ça? Ça ressemble à une pourte, je sais pas quoi, une essence peut-être. Ouais, c'est sûrement ça, un jeton. Ça m'a sonné comme de l'argent, donc je me disais pourquoi pas, hein, puisque pour améliorer la matinée de détection. Bon, on va aller voir s'il y a autre chose. Il y a toujours la marque là. Et il y a un truc que je voulais vous dire, donc la dernière vidéo, comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer, pas d'appareil, rien du tout. Et en plus, mon casque, j'ai eu toujours un peu des problèmes depuis que je l'ai acheté au niveau du son, parce que ça s'arrêtait, je touchais les fils, tout ça, j'avais fait le système là, ici pour le tenir. Pour qu'il tienne toujours à la même place, et puis bonjour, ça a quand même lâché, donc forcément. Et là, j'ai tout démonté cette partie à l'intérieur ici.
Donc là, et puis j'ai ressoudé les fils dans les petits bouts qui vont se rejoindre ici dedans. Et pour l'instant, ça marche. Alors je tiens les pouces. C'est quand même mieux avec casque. Déjà au niveau des regards des gens, quand je croise, quand je suis pas loin, il n'y a pas autant de questions d'arrêt sur image, on va dire. Allez, alors pour l'instant ça va, alors je continue et puis là j'arrive au bout. Les vaches, ils ont un peu parti plus loin là-bas. Alors je sais pas si je vais partir un peu là ou bien si je vais faire encore un peu le chemin, on verra. Et sinon, comme je vous disais, je pars ici, c'est une mini forêt en long. Il y a donc un petit chemin, il y a le chemin de fer aussi, on verra. Allez, à toutes les amis. Ben voilà, pardon. Ben, comme il n'y a pas grand chose, alors je me suis décalé en traversant le champ. Donc là-bas, on voit chaud de fond. Et ici, vers ce très très joli arbre. J'ai fait un petit son assez fort, assez intéressant. Et ben, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, du menthol. Mais ça a l'air d'être vide. Hein. Voilà, donc je continue. Et sûrement que je vais descendre pour aller dans la forêt. Donc, allez à toutes les amis. Donc les amis, je viens de là-haut. J'ai traversé une barrière de fil barbelé. Et bien sûr, j'ai mis la... m'appelle donc entre la première barbelée et au mieux il y a le filet électrique et dans les doigts je peux vous dire que j'ai senti une sacrée secouée, bordel de merde, pardon. Waouh, alors là je peux vous dire que j'étais fin énervé là, j'aurais envie d'aller chercher une tronçonneuse et tout couper ça, mais bon c'est pas leur faute hein. Donc ça fait déjà 200 mètres je pense que je fais ce petit chemin. Et là entre ces deux cailloux, un son, le premier son quoi en fait, c'est tout simplement ça. Le premier son qui était bien ici entre les deux, donc j'étais obligé de la sortir celle-là. Et puis elle est juste là. Alors c'est une 10 centimes. Ouais c'est bien ça, une 10 centimes. Mais vraiment un son merdique, hein. 43 normalement ça c'est quasi sûr que c'est de l'alu quoi. L'alu de ces machins de chocolat tout bien écrasé quoi. Mais bon voilà, comme quoi quand on n'a pas grand chose on creuse partout quoi. Allez, je continue, direction là-bas, et ici le chemin de fer. Ça va, j'ai pas trop de problème avec le détecteur. Ça, c'est plutôt en haut là où il y avait le barbelé quoi. Ça arrête pas de sonner dans tous les sens. Normalement il y a un réglage à faire mais j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. On va à la facilité, donc on a un bouquin qu'on peut bien lire comment il faut faire et puis voilà, on a envie d'essayer et puis c'est tout. Et le bouquin plus tard. Allez, direction par là, à toutes les amis. Donc les amis, juste là, comme on peut voir ici, elle était comme ça. Et voilà, encore une plaque de vélo moteur, ou de vélo. Mais je penche plus pour une plaque de vélo moteur. Allez, on continue. Je me suis fait un petit écart ici dans ce... Il y a un petit chemin là, mais rien du tout. Beaucoup de chenilles. Allez, on continue. Alors, dans ce trou, un son très merdique. Et voilà. Encore un canif, Nestor Portron Long Le Saunier, vin champagnisé. Bon, c'est bon, on a déjà le couteau pour ouvrir la bouteille. Allez, les amis, le train qui passe. J'espère que vous l'avez vu. Bon, je continue, direction là-bas. Allez, à toutes les. Bon les amis, donc maintenant direction la maison. Et là, mon détecteur il sonne pas mal parce qu'il y a juste un fil là, électrique pour les vaches, et puis juste là le train. Et j'ai déjà passé ici, hein, et avec les deux détecteurs d'ailleurs. Et comme quoi,
On trouve encore une petite monnaie. Et c'est une 5 centimes. Pas très vieux, mais bon. Monnaie quand même, comme on dit. Allez, direction là-bas. Il me reste plus que 20 minutes pour arriver jusqu'à la voiture. En espérant, oui, que je trouve quelque chose. Et non, parce que sinon, je serai en retard. Allez, à toutes, les amis. Ciao, ciao.